Chers amis, comme femme rabbin, c'est-à-dire comme femme qui exerce un métier dont les femmes furent si longtemps exclues, vous vous en doutez, je chemine bien souvent sur une voie d'équilibre complexe, sur un fil tendu entre la tradition et le questionnement. Bien souvent, je tente de transmettre des récits en reconnaissant simultanément potentiellement les dégâts qu'ils ont causés ou bien les interprétations problématiques auxquelles ils ont donné naissance. Quand vous aidez une nouvelle génération à formuler ses propres « il était une fois ». Chers amis, il était une fois. Il était une fois un groupe de près de 6000 entrepreneurs qui se retrouvèrent à Nantes. Vous la connaissez, cette histoire ? Ils savaient tous combien cette ville était charmante et accueillante. Peut-être que certains avaient oublié un peu son histoire et ne se souvenaient plus la façon dont on a signé un jour ici un très célèbre édit qui porte précisément le nom de cette ville. C'était en 1598. Mais quelle importance, me direz-vous, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, c'était il y a longtemps. Mes chers amis, nous nous trouvons précisément là où la France a fait un jour le choix de la tolérance, le choix de mettre fin aux guerres de religion. Il était une fois près de 6000 personnes qui, 425 ans plus tard, et au même endroit exactement, se savaient héritiers de cette grande histoire et savaient qu'à leur manière, et chacun dans leur domaine, ils s'efforceraient de comprendre le monde de l'autre pour un peu mieux comprendre le monde tout court. Et que de cet héritage des mondes passés pourrait se construire avec courage et détermination des prochains mondes.